Good evening, bonsoir, goedenavond. C'est mon privilège ce soir de présenter les artistes. C'est un grand plaisir pour le Palais des Beaux-Arts aujourd'hui de pouvoir montrer sa fibre européenne et de pouvoir accueillir ceux qui ont encore le rêve de l'Europe unie. Voor de mensen van mijn generatie is het fijn om te zien dat de opvolging bestaat, dat ze dromen en dat ze ook ageren. And this evening we have Mr. Van Cohn-Bendit with us, long history, and Guy Verhofstadt with us, a shorter history, but both great Europeans. And it is the proof of the quality of Europe that it brought together two people who were not naturally indicted one to another. A liberal on one side, a green on the other. Thank you, Europe. Avant de leur passer la parole, je voudrais remercier le saxophoniste John Snowart, qui a peut-être interprété une œuvre que vous avez déjà entendue. Je vois que oui. Donc nous avons un auditoire très passionné et très cultivé. Merci beaucoup. Et maintenant, et nous, place aux artistes. Et n'oubliez pas, wake up Europe, l'Europe debout, le rêve existe. Merci. Dames en heren, messieurs, dames, ladies and gentlemen, it's an honor and a pleasure to welcome you on behalf of the newspapers De Morgen and Le Soir, and Beaux-Arts, of course. The debate and the interviews will be conducted in English, en français, and ook een beetje in het Nederlands. On est deux flamands de service ce soir ici au plateau, ce qui est assez exceptionnel pour Bruxelles, d'avoir deux flamands. And we are very happy. Les pieds toute la soirée à vos problèmes de flamand. But since Brussels is the city we love, it's a multicultural and a multilingual city, we will try to do it in every language we can. It's an honor to have you here, both gentlemen. You started your European tour here with the presentation of the book, and now we finish this evening with the European tour in the same venue here at Beaux-Arts. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour une soirée qui est exceptionnelle, à plus d'un titre en fait, parce que ceci n'est pas un livre, c'est un manifeste, et c'est un manifeste qui est un constat bien sûr, mais qui est surtout aussi un appel à la révolution. Bon, Monsieur Cohn-Bendit, ça ne le change pas trop, mais... Mais en tout cas, ce n'est pas fréquent et que dans le domaine européen, ce type d'appel soit lancé par un livre, c'est un événement en soi. C'est un livre sans précédent pour une autre raison, il est sorti en 8 langues. Monsieur Verhofstadt nous disait tout à l'heure qu'il a été le présenter en espagnol la semaine dernière. Il sortira en grec et en serbe en 2013 et il a été présenté dans plusieurs capitales européennes. C'est extrêmement rare aussi, je sais qu'ils ont dû se battre pour la confection du livre, la couverture, qu'elle soit la même, parce que les problèmes de... d'harmonisation européenne touche aussi les couleurs et les formats. C'était la chose la plus difficile à réaliser, d'avoir la même couverture dans tous les pays. C'était pire que de faire un traité européen. Et pire que de se mettre d'accord, parce qu'au départ, on avait tous pensé que ces deux-là ne s'entendraient pas et qu'ils allaient concourir de leur superbe pour se faire de l'ombre dans le Parlement européen. C'est un duo improbable. Explosif, excitant, c'est une très belle affiche parce que vous n'êtes pas là aussi nombreux et je dois vous dire qu'on était quand même bon, Yves ne dira pas qu'il était ému mais on était ému du nombre de personnes qui sont ici. Vous êtes plus de 1700, c'est exceptionnel, donc nous vous remercions, c'est vraiment fabuleux pour l'idée européenne aussi. Alors je sais que vous venez pour les idées, vous venez pour les grandes gueules aussi, pour le prix de deux vous en avez trois, parce qu'il y en a un autre qui est à côté, Jean Quatremer, qui ne se défend pas mal. Et donc vous avez l'eau libérale, le feu de mai 68 et la plume de libération pour le même prix ce soir, vous êtes vraiment beaucoup de chance.
Il y a eu 16 000 exemplaires vendus en français, des milliers dans les autres langues. C'est aussi une soirée multiculturelle. Yves l'a dit, il l'a dit à sa façon, mais Yves, le standard, le, pardon, le Morgan, excusez-moi. Ça commence bien. Ça commence bien. On va se trouver. On va se trouver. Le Morgan et le soir, et c'est très important, se sont retrouvés très souvent, en fait, justement, pour défendre Bruxelles hors des handicaps et des otages et des prises d'otages politiques. C'est pour ça qu'on est aussi très, très heureux de le faire ensemble ici et qu'on a sur Bruxelles et cette envie de multiculturalité un vrai souhait commun. Et on a le sentiment qu'il est temps un peu aussi que les citoyens s'en occupent, notamment vous et avec les journaux. Et donc, c'est pour ça ici qu'il y a une dimension symbolique aussi à ce multiculturalisme et à ce que je sois ici aux côtés de Yves. Alors, nous allons présenter les participants. Il n'y a pas trop besoin, mais quand même. Yves, que oui. Pourrais-tu nous dire de Guy Verhofstadt? Si c'est encore nécessaire, mais enfin, Guy Verhofstadt, il est un homme qui n'aime pas le mot « identité ». Et certainement pas les politiciens qui veulent enfermer des individus dans leur identité. Et je comprends bien parce qu'il a assumé beaucoup d'identité lui-même dans sa vie. He has started with the identity of a child prodigy. Because he was already on his 29th president of the Flemish Liberal Party as the youngest president ever. 3 years later, he assumed a new identity and he became a baby Thatcher. That was the nickname that the Belgian political press gave him. He loved the policies of Thatcher. He loved zero budget deficit. And there was a certain Étienne d'Avignon who at that time remarked, Verhofstadt won't be satisfied till Belgium becomes a real desert, because then automatically the deficit will be zero. Following that, he became Het Jong. And it is a little difficult to translate. It was a nickname given by a Flemish trade union leader, and it was the reason he was removed from government. De Jong will translate something like a little rascal, pain in the ass. He went through the desert, in real, for a few years. Then he became a new identity, numero uno. For 8 years, he was prime minister. And his latest identity is Mr. Europe, more and more. And maybe I can summarize him best with something he said himself while we were in Cambridge, visiting Nobel Prize winner Amartya Sen for an interview about identity. And there he said, probably I'm one of the only politicians who started his career on the right side of the spectrum and will end up on the left side. Guy Verhofstadt. Alors, Monsieur Verhofstadt dit désormais que sa conversion est passée du libéralisme à un intérêt pour les choses qu'il trouve lui-même plus importantes que simplement les enjeux économiques provient du drame du Rwanda et que c'est dans une église au Rwanda, qu'il a soudain pris conscience, au fond lui-même, dans ses tripes, que les enjeux de droits de l'homme, que la xénophobie, que la notion d'identité, justement, pouvaient être meurtrières. Et donc, qu'il fallait se battre pour que les gens, finalement, unissent, fassent un dialogue et luttent contre leurs différences. Sans doute que M. Cohn-Bendit a fait cette conversion, ou a eu cette conviction beaucoup plus tôt, puisque son combat de mai 68 reposait quand même sur une idée de liberté, de droits fondamentaux, et que longtemps on a eu sans doute le sentiment aussi, lorsqu'il s'est engagé dans le combat européen, qu'il était le seul à y croire avec passion. Enfin, il y en avait d'autres, mais en tout cas, il l'exprimait, et il l'exprimait de façon virulente, passionnée, de montrer que l'Europe est un combat, peut aussi être une victoire, mais en tout cas, est un débat d'idées passionnant. Parce que pour beaucoup, parfois, ça paraît ennuyeux et un peu loin de nous. Donc même quand il est loin de nous, même quand il est à Strasbourg, Daniel Cohn-Bendit rapproche l'Europe de nous, on n'est pas d'accord avec lui, il agace, mais en tout cas, ils ne laissent pas indifférents. Et qu'ils deux-là se soient rencontrés, certainement pas un hasard, parce qu'ils se sont unis au-delà de principes qu'ils ont senti être les mêmes. Ils sont d'abord unis au sein du groupe Spinelli, hein, qui est un lobby fédéraliste européen dans lequel ils sont des promoteurs importants. Il y a beaucoup de membres ici liés à ce groupe qui sont dans la salle d'ailleurs. Il est coprésident du groupe des Verts Alliance Libre au Parlement européen. Il est porte-parole de ce groupe. Alors c'est plus compliqué de savoir exactement ce qui est encore son rapport aujourd'hui à Europe Écologie en France. Je lui ai redemandé avant, alors j'ai une phrase que je vais vous donner. Donc il a interrompu momentanément son adhésion à Europe Écologie en France. Et alors il déclare dans une interview à Paraître, je vais le citer, « S'ils veulent m'inviter à parler avec eux, je parlerai, mais pour le moment, nous n'avons pas trop d'accord. On laissera ça aux Français, on va s'occuper de l'Europe aujourd'hui. C'est déjà assez compliqué. »
Il est aussi chroniqueur de foot. Il dit souvent que c'est ce qu'il va faire dès qu'il tournera la page européenne. On a du mal à le croire. Monsieur Cohn-Bendit. Jean Quatremer est journaliste à Libération, spécialiste des questions européennes. Il a sans doute marqué aussi le journalisme européen en en faisant un journalisme accessible et surtout un journalisme populaire, au sens où son blog Coulisses de Bruxelles est consulté à la fois par l'establishment européen, on dit souvent que c'est un blog influent dans l'Europe d'aujourd'hui et dans la formation de l'opinion, mais aussi par les gens. Il a aussi réussi à rendre l'idée que l'Europe pouvait être bien vulgarisée et en tout cas pouvait susciter le débat. Il a réalisé et écrit des films, des livres sur l'Europe. Il est célèbre évidemment sur un autre plan que nous n'aborderons pas ce soir, qui est le rapport entre les sexes, les médias et les mensonges. On évitera le sujet, mais je lui fais confiance parfois pour ramener les sujets qu'on essaye d'éviter. Il a réalisé surtout dans le livre qui est là, Debout l'Europe, l'interview un peu making-of, c'est-à-dire au cas où vous n'avez pas compris le manifeste, Jean pose les questions pour vous permettre d'avoir une deuxième chance de comprendre avec l'interview. Alors, il va... Vous allez voir, c'est pas qu'il s'embête, mais en fait, son grand truc, c'est d'être un tweetos fou, donc il tweet, donc il va tweeter pendant la soirée, et donc il faut être extrêmement attentif, ce qui nous permettra à ceux qui sont hors de la salle de savoir ce qui se passe ici, avec toute l'impertinence qui le caractérise. Il va aussi le droit d'intervention. Monsieur Cohn-Bendit rêvait qu'il fasse le fact-check complet, mais moi, je pense que ça, alors on va en avoir pour deux fois la soirée, donc on va essayer de le tenir aussi. Surtout, il ne ment jamais. Voilà, il ne ment jamais, ouais, ça, on va voir. On va commencer avec la question pourquoi ce livre et peut-être une première question en néerlandais. Dan verstaat Cohn-Bendit niet wat ik nu vraag. Maar wat ziet u eigenlijk in hem? Waarom deze toch niet voor de hand liggende combinatie tussen een overtuigd liberaal en een mei 68 groene? Waar is die intellectuele vonk wat over? Wat vind jij nu verkeerd? Faut que tu répondes en néerlandais pour que je comprenne pas. Hein? Ouais. Parce que... Wat vind jij nu verkeerd aan die combinatie eigenlijk? Ik vind daar niks verkeerd aan. Ik vraag gewoon, wanneer is die vonk overgeslagen? De vonk is eigenlijk, overgeslagen in het Europees Parlement. Wij zijn alle twee fractieleider. Wij komen alle twee tussen in de plenaire vergadering. Je suis en train d'expliquer, ik kan net erbij. Wij hebben alle twee toch misschien een beetje dezelfde stijl en voornamelijk het gevoel gehad van... Dat gaat hier niet vooruit. Wij zitten hier nu al jaren te praten, actief te zijn, te pleiten voor meer Europa. Het wordt tijd dat we in een manifest werkelijk zeggen waarop het staat. En waar het op staat in het manifest, zeggen we, dat zijn dat de nationale elites vandaag, die Europa besturen, onbekwaam zijn om Europa te besturen en om die eurocrisis te keren. En we hebben dat zoveel keren gezegd, Danny heeft dat zoveel keren gezegd, ik heb dat zoveel keren gezegd, in die plenaire vergadering, met dan telkens de raad en Baron, die dan zo... ik wil niks naspelen, maar het is toch een beetje zo. Ik ben en train de faire l'image de Baron. Je suis en train de, ah bon. D'expliquer à Jean, parce que le pauvre français... Donc, lui comprend. Non, moi, je comprends. Ah bon, voilà. Mais moi, je comprends l'allemand. Donc... En dus we hebben dat zodanig, we voelden eigenlijk de drang aan om dat eigenlijk neer te schrijven, een manifest van te maken en te zeggen, laten we onze toch wel frustratie die we hebben, hè, laten we dat maar eerlijk zijn. Want het boek is geschreven voor Europa uit een soort van kwaadheid, omdat we woest waren. Omdat we zien dat al 3 jaar die regeringen, die nationale elites, niet in staat zijn van te doen wat moet gebeuren. Namelijk duidelijk te zeggen, Europa is niet de schuld van de crisis, Europa is de oplossing voor de crisis. Mm-hmm. En omdat met andere woorden dat absoluut wij daar een breed forum voor willen, want dat is de enige mogelijkheid, het zijn de mensen zelf, de burgers zelf, die tegen de politici zullen moeten zeggen, zo snel mogelijk, stop ermee met uw nationale praat, en kijk dat in de wereld van morgen het alleen op Europees vlak kan georganiseerd worden. We zitten wel in de inhoud, maar je reposerai la même question pour monsieur Cohn-Bendit. C'est quoi justement que vous avez... Néerlandais, s'il vous plaît. Oui. Moi, je crois qu'il a raison. Deutsch, d'abord, c'est son... Ouais, je pourrais dire en allemand, mais là, ils seront tous... non, je ne veux pas leur faire ça. Non. D'abord, ce manifeste, ce livre est une idée de Guy. Donc, il faut lui laisser. C'est-à-dire que... Non, il a parlé de la frustration, c'est vrai. À chaque fois qu'on a un débat sur un Conseil européen, on arrivait toujours
au même constat, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que ces visions intergouvernementales, toujours pour décider à l'unanimité, bloquent complètement, en fait, les décisions. Et donc, face aux crises auxquelles nous sommes confrontés, la crise financière, économique, écologique, eh bien, nous avons une Europe impuissante. Et l'Europe impuissante, et c'est ce sentiment d'impuissance qui est frustrant pour nous parce que nous croyons qu'il y a une autre alternative. Et c'est un peu l'idée de ce manifeste, de dire une Europe capable, c'est justement une Europe qui dépasse l'impuissance de souveraineté nationale. Parce que, et c'est un peu l'idée fondamentale de ce livre, on parle toujours de transfert de souveraineté de l'État-nation vers l'Europe. Ce n'est pas tout à fait vrai. La souveraineté nationale est mise à mal aujourd'hui par le marché, par exemple. Le marché, aujourd'hui, a pris le pas sur la souveraineté nationale. Et l'Europe, c'est une manière de reconquérir une souveraineté que nous n'avons plus. Donc ce n'est pas un transfert de souveraineté, simplement, c'est une reconquête de souveraineté pour être des acteurs majeurs dans la mondialisation telle que nous la subissons. Jean, peut-être que tu peux nous dire un peu comment s'est déroulée la collaboration. Est-ce que ces deux-là, quand ils sont ensemble, c'est explosif, ou ils sont souvent d'accord, ou ils ont des différences, en fait ? Il y a des différences politiques. Il y a quand même, vous l'aurez remarqué, un écologiste et de l'autre, un libéral, qui pendant un temps était appelé, même ici en Belgique, Baby Thatcher, non ? Ouais. Ça fut un temps. Il y a une trentaine d'années, et qui pendant même tout un temps... J'ai quelques souvenirs, je l'ai connu quand même assez proche des thèses flamingantes. Donc il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué. Moi je l'ai vu, j'ai vu Guy lorsqu'il était Premier ministre de Belgique au tout début, qui défendait les intérêts nationaux de la Belgique, bec et ongles. Et j'ai vu sa transformation au cours d'un sommet européen absolument fascinant, Nice. Qui était Nice. Et à Nice, là, d'un seul coup, j'ai véritablement assisté en direct, ainsi que tous les journalistes qui étaient présents, à la transformation d'un homme. C'est-à-dire, il est arrivé pour défendre la parité avec les Pays-Bas, et au milieu du débat qui a duré 4 jours et 4 nuits, hein. Heureusement c'était à Nice et là on mangeait très bien, c'est fourni par la présidence française, le buffet était fourni par le nôtre, donc c'était excellent, et ça nous a permis de tenir, nous les journalistes, et on a vu Guy Verhofstadt, accompagné de Louis Michel, qui était à l'époque son ministre des Affaires étrangères, comprendre brutalement que le choc des souverainetés, le choc des intérêts nationaux, la défense étroite des intérêts nationaux nous menait droit dans le mur et que personne n'en sortait grandi. Et la mue de Guy Verhofstadt, je ne crois pas vraiment te trahir, en disant que ça s'est fait à ce moment-là. Et il a compris tout le danger du nationalisme. Alors, quand c'est Dany, en fait, qui m'a téléphoné pour me proposer de faire cette interview croisée, moi, j'ai dit immédiatement oui. Alors là, je vais vous flatter, messieurs, en disant que c'est un peu comme si Jean Monnet et Robert Schuman m'avaient téléphoné en disant que ce serait sympa que tu fasses une interview croisée. Redis. J'ai pas compris, là. Ça veut dire qu'ils ont cette crédibilité. Ah, mais pour moi, ils ont cette crédibilité. Et surtout, enfin, on sort des peines à jouir de l'Europe. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous entendez un responsable politique, ou même un ancien responsable politique, vous parler de l'Europe, il vous explique que c'est des problèmes, c'est compliqué, etc., mais il faut quand même la faire, c'est une nécessité. Eux, ils parlent de l'Europe avec enthousiasme, qui est mon enthousiasme. Moi, je suis resté extrêmement naïf. Depuis toujours, j'ai toujours cru à la construction communautaire, à l'Europe et au dépassement des nationalités. Et quand il m'a proposé le projet, évidemment, j'ai dit oui. Et en même temps, j'étais attristé, quelque part. Parce que qui me propose ce projet ? Ce ne sont pas les principales forces politiques au pouvoir en Europe. Ce n'est ni un conservateur, ni un socialiste qui m'ont appelé. C'est un libéral, qui n'est pas la famille dominante en Europe, et un écologiste, qui n'est pas non plus une des familles politiques dominantes de l'Europe. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'aujourd'hui, les familles politiques dominantes au sein de l'Union européenne ont un véritable problème européen. On le voit aujourd'hui en France, hein, avec François Hollande, qui lui-même... profondément, je pense, fédéraliste, qui est pour la construction communautaire, une construction communautaire plus forte, mais qui n'ose pas affronter ces eurosceptiques au sein de son parti. Alors, tu dis qu'ils ne sont pas dominants, ils ont cet enthousiasme. Ah, ce sont deux minoritaires. Alors, oui, est-ce qu'ils sont aujourd'hui suivis ? Ou est-ce que là, on a deux personnes particulièrement sympathiques et avenantes, mais qui ne sont pas suivies ? Alors, donc, je veux dire, sur l'Europe, ils sont d'accord, il faut le dépasser.
Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat politique entre deux. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce débat. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'effectivement, ils voulaient tous les deux aboutir au même point, c'est-à-dire une Europe fédérale, une Europe qui dépasse les nationalités, qui les ramène, qui referme le couvercle des nationalismes étroits. Et, mais par ailleurs, ils ont deux conceptions du monde différentes. C'est-à-dire qu'on veut faire l'Europe, et puis à l'intérieur, eh bien, il y aura des combats politiques pour faire une Europe qui sera peut-être plus écologiste, une Europe peut-être plus libérale, etc. C'est ça, l'Europe. Ma question était justement, est-ce qu'ils sont suivis? Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, ils présentent ce livre? Est-ce qu'ils sont quelque part dans la sphère européenne et puis tout le monde les laisse faire en disant qu'ils s'amusent, ou est-ce qu'ils sont suivis? Je crois que ce livre tombe parfaitement bien. La semaine prochaine, il y a un Conseil européen à Bruxelles qui va adopter une feuille de route qui est préparée actuellement par les quatre présidents des principales institutions, hélas pas par président du Parlement européen, qui est juste associé. Mais enfin bon, il y a déjà quatre présidents qui préparent cette feuille de route, qui préparent un saut fédéral. Moi, je l'appelle comme ça. Le F-word est tabou toujours en Europe. On ne dit pas qu'on va faire un saut fédéral. Donc, une fédération de la zone euro qui va peut-être voir le jour dans 4, 5, 6 ans, 7 ans. C'est en train de se faire. Pas parce que les États sont prêts à renoncer volontairement à leur souveraineté, mais parce que les marchés ne veulent pas d'une monnaie sans État. Les marchés n'y croient pas. Et les marchés leur disent depuis plusieurs années, mais ils n'ont pas voulu l'entendre. Le résultat, c'est une crise majeure. On connaît la principale crise depuis 1929 en Europe. C'est pour que les États comprennent que c'est unis qu'ils pourront agir, il a fallu qu'il y ait 25% de chômage en Grèce, 25% de chômage en Espagne, que la France soit tout près de commencer une cure d'austérité. Et tu penses que ceci joue un rôle? Ah, mais ceci tombe au meilleur moment. C'est-à-dire qu'enfin, il libère la parole. Le F-word n'est plus un mot tabou, grâce à eux. Merci. Mais quand même, il reste... I would like to return to the central statement of the book. Which is the F word, which is... Yeah, it's not fuck, it's federalism. Yes. Oh, yeah. Yeah, but okay. I already gathered that. Yeah, but mais in English. La thème centrale du livre est que la crise aujourd'hui européenne est économique, démographique, écologique, politique, institutionnelle. Et pour vous, l'Europe, c'est la solution et pas la cause du crise. Pourtant, dans l'opinion publique, c'est justement l'inverse. Oui. Là, on dit « Europe, c'est la faute de tout, moins d'Europe ». Alors, expliquez votre thèse centrale. Pourquoi l'Europe est la solution? Can I give three figures only to illustrate this? What is the problem today in Europe? We have a public debt of 90% in the Eurozone. And we are in huge problems. A small economy of create a complete chaos in Europe. The Americans have 102% of public debt. That's 12% more than the Eurozone. And they are paying 2% of interest rates, and we are paying 5% of interest rates. And then you have the Japanese, they have 226% of public debt, the double of Italy. And they are paying the lowest interest rates in the world, 1.5%. So how is this possible? Those with the biggest debts and deficits are paying the lowest interest rates. And we, with 90%, have such big difficulties as we have today. Because if there is a problem, for example, in the US with California, who is going bankrupt, there is no problem with the dollar. And when you have a small economy like Greece in difficulties, you have all the problems we have today. Well, the difference is, behind the end, there is a real state, a central state, who create confidence in the markets. And derrière le dollar, il y a un État fédéral avec un budget de 24% du produit intérieur brut américain. Et chez nous, derrière l'euro, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'État derrière, il n'y a pas de gouvernement derrière, il n'y a pas de marché obligataire derrière, il n'y a même pas de budget. Le budget, il ne faut pas rire, c'est 1%. 1% comparé à 24% au niveau américain. Voilà la vraie cause de nos problèmes. Moi, je dis toujours que peut-être un État peut exister sans monnaie, donc ça existe, mais une monnaie unique ne peut pas exister sans État, sans une autorité publique. Et tout ce qu'on a fait, et la grande erreur qu'on a fait dans le temps, mais il y a des raisons pour ça, les raisons politiques que Danny explique toujours, c'est qu'on a commencé avec l'euro sans avoir tous les instruments qui sont nécessaires. Les Américains ont fait l'inverse. Les Américains ont commencé avec un État confédéral, puis un État fédéral, puis des bons de trésor américains, puis une trésorerie américaine, et puis ils ont fait le dollar. Et nous,
Les Européens, c'est beaucoup plus intelligent. On commence avec l'euro et puis on dit, merde, on n'a pas ceci, cela et cela et cela, après un certain temps. Voilà ce qui s'est passé. Monsieur et Colmette... pour ça qu'il faut, oui, en fait, cet État fédéral. L'euro va disparaître dans les années qui viennent, dans les 10 ans, si on ne crée pas cet État fédéral européen, parce que ça ne peut pas marcher sans qu'il y ait un État derrière et un vrai budget derrière. Voilà la vraie cause de nos problèmes. Je crois que c'est la base de notre accord sur, dans ce manifeste. D'abord, il faut toujours rappeler, l'euro, ce n'était pas un choix économique, c'était un choix politique. Vous savez que la base identitaire de l'Europe, c'était qu'aucun État ne puisse être hégémonique dans l'Europe concrète. Si on n'a pas fait l'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale, après la Première, ça aurait été pas mal, ça nous aurait évité la Deuxième Guerre mondiale. Hein, une petitesse, mais ça aurait été sympa, hein, quand même. Mais pourquoi c'était impossible? Parce que l'Europe s'est construite après la défaite de l'Allemagne et la défaite de deux grands États, super-États, entre guillemets, européens, c'était la défense de la France coloniale et de l'Angleterre coloniale. C'est-à-dire qu'aucun État européen, à partir des années 50, n'était capable d'être hégémonique dans une construction européenne commune. Et c'est ça qui a été la base, justement, de cette idée d'une Europe égalitaire entre les grands États et les petits États. Avec l'unification allemande, la génération de la guerre, et c'est ce qu'a exprimé François Mitterrand, c'est la peur d'une Allemagne de 90 millions de personnes au centre de l'Europe, grande puissance économique, qui puisse dominer et être hégémonique en Europe. C'est pour ces raisons-là, après que Mitterrand a fait ce voyage un peu débile en Allemagne de l'Est, il faut quand même se rappeler ça, où il a essayé de voir s'il ne pouvait pas y avoir deux Allemagnes démocratiques. Il a dit, Helmut, tu auras ton Allemagne que s'il y a un approfondissement de l'Europe. Et Helmut a dit, François, tu as raison. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé l'idée de l'euro. Il faut se rappeler qu'en 1974, le plan Werner, il y avait une tentative de faire l'euro et Werner a dit, c'est pas possible, on n'y arrivera pas politiquement. C'est la situation de l'unification allemande qui a imposé l'euro, mais avec tous les déficits que Guy a décrits. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation complètement surréaliste. Surréaliste. Je vous donne un exemple. Il y a un paquet qui a été ficelé sur la Grèce. On en reparlera de la Grèce. C'est un mauvais paquet, trop tard, etc. Mais voilà, enfin, ils se sont dit quelque chose, ils ont décidé quelque chose. Où est-ce qu'a été le contrôle démocratique de ce paquet? Le Bundestag. Imaginez que tous les États européens soient aussi démocratiques et parlementaires que l'Allemagne. Donc vous avez 27 pays dont les parlements vont décider oui ou non pour ce paquet. Il y en a 13 qui vont dire oui, il y en a 12 qui vont dire non, il y en a 3 qui vont dire on ne sait pas quoi dire. Qui a raison? Est-ce que c'est le Parlement allemand qui a raison, ou le Parlement italien, ou le Parlement espagnol? C'est quand même surréaliste. Et on nous dit, l'Europe fédérale, c'est un centralisme inacceptable. La situation politique de l'Europe aujourd'hui, c'est un centralisme politique inacceptable où la démocratie européenne n'est pas une démocratie européenne. On délègue la démocratie aujourd'hui à l'Allemagne. Ça ne me paraît pas l'idée fondamentale et l'idée des pères fondateurs de l'Europe. Alors une question. Donc vous dites, Jean est assez optimiste, il dit lui, c'est le moment, on va y aller, on est vers le mouvement de cette Europe unie et fédérale. Bon. Mais qui sont les Helmut et les François qui vont, à un moment donné, oser ce pas? Qui va faire ce pas? Parce que là, il y avait un troc, il y avait des personnes qui étaient en confiance. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher dans le désert? Les gens n'ont pas ici nécessairement le sentiment qu'il y a une foule qui se range derrière vous, simplement, si ce n'est par nécessité. Parce que le reste ne marche pas. Exactement. Ils vont être obligés de le faire. Il n'y a même pas de choix, parce que il y a une description comme ça, on a le choix, le faire ou pas le faire. Non, on n'a pas le choix. Avec la crise qui est devant nous. Vous êtes devenu marxiste, hein. C'est déterminé. On n'a pas le choix, là. Hein. On n'a pas le choix.
On a peut-être les choix sur ses impôts, sur le marché, mais sur l'Europe, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour la simple raison que on est devant un point qui est très simple. Ou bien on choisit les États-Unis de l'Europe, ou bien les Nations Unies de l'Europe. Voilà le choix devant lequel on est. Donc il y a un choix. Il y a un choix, oui, retourner aux États-nations, oui, mais... retourner à une confédération si on fait des États et continuer avec l'Europe aujourd'hui. Mmh. L'Europe aujourd'hui, c'est quoi? Ce serait comme les États-Unis seraient gouvernés par les 50 gouverneurs des États des États-Unis. Mmh. C'est comme ça qu'on est en train de gouverner l'Europe. Et ils doivent décider à l'unanimité. Et à l'unanimité. Vous vous imaginez, ce n'est pas Obama, ce n'est pas l'administration américaine, ce n'est pas le Sénat américain, ce n'est pas les chambres des représentants américaines avec Obama à la tête de cette organisation. C'est les 50 gouverneurs qui se voient 4 fois par an. Et puis qui disent, voilà, on va gouverner les États-Unis. On va faire le budget. On va déclarer la guerre à gauche et à droite, si c'est nécessaire. Mais il faut décider à l'unanimité. C'est comme ça qu'on le fait. Parce que le Conseil européen, c'est exactement ça pour le moment. C'est exactement ça. Et donc, moi je dis, ce choix, ce n'est pas une nécessité, et ils sont obligés à faire ce pas. Et qui pour vous est convaincu aujourd'hui que cette nécessité est là? Arrêtez, si vous demandiez, prenez 1988, oui. Vous allez voir Helmut, et vous dites, Helmut, François a une idée, il veut faire l'euro. Helmut dira jamais, le Deutschmark c'est mon identité, c'est l'identité de l'Allemagne, pas possible. Seulement, il y a 1989, il y a le mur qui s'effondre, il y a l'unification allemande, et tout d'un coup, Helmut est obligé de dire, si je veux cette unification, j'ai besoin du oui de la France, parce que c'était les 4+2. Donc si j'ai besoin du oui de la France, j'ai besoin de suivre François sur la route de l'approfondissement, et donc de créer l'euro. Et donc ici? Bah oui, il y a des moments historiques, vous savez, vous auriez cru que le plus grand fédéraliste, ce soit le président de la Banque Centrale Européenne, M. Trichet, puis M. Draghi, génétiquement, ils ne sont pas nés pour ça. Mais pas du tout ça. Mais tout d'un coup, face à la crise financière, Trichet dit, moi, je veux bien jouer pendant un certain temps fédéraliste non honteux. Hein, et j'achète des bons, j'achète des dettes souveraines, mais... Il faut maintenant qu'il y ait une structure qui puisse continuer dans cette direction. Et Draghi, la même chose. C'est-à-dire que la situation financière et la situation économique, écologique, vous nous forcent aujourd'hui à penser une architecture différente. C'est-à-dire une capacité de décider, une capacité d'intervenir. On dit qu'on n'a pas d'argent en Europe. On a 1 500 000 soldats en uniforme en Europe. Vous pouvez me dire pourquoi? Pourquoi faire? Comment? Ils défendent qui, quoi, comment, que? On pourrait dire, les peuples veulent qu'on réduise les dépenses militaires. Inch'Allah, allons-y. 300 000 soldats européens, 1 200 000 qui font autre chose en perspective, et on économise énormément d'argent. Vous pouvez m'expliquer pourquoi on a besoin de 27 ambassadeurs européens à Kuala Lumpour? Voilà, moi, je sais. Si vous m'expliquez pourquoi, moi, je veux bien. Donc, vous pouvez très bien expliquer qu'aujourd'hui, une politique étrangère européenne... Et vous savez, on ferme les yeux, on peut rêver de temps en temps. Vous voyez un peu si l'Europe, si les pays européens... comprenant bien leur intérêt, auraient dit ensemble, oui, nous soutenons parce que nous ne voulons pas que la Palestine aille vers l'extrémisme, oui, nous soutenons à 27 la proposition de Abbas d'être reconnue par l'ONU et nous disons, oui, nous voulons défendre l'Israël, mais défendre Israël, c'est défendre Israël contre la folie politique de Netanyahou. Si 27 pays européens ont cette position, eh bien, ça marque dans les esprits. You say we have only two possible end games. Either we move in the direction of a post-nationalist Europe, post-nation Europe, either the euro will disappear. There's no middle ground. It will be one of the other.
Then I don't agree exactly that it will disappear. But the problem is, or you go on the federal direction, et alors là, vous avez une Europe capable, ou alors vous allez continuer comme ça, vous aurez l'euro, mais ça sera non seulement une monnaie molle, mais ça continuera à être une Europe incapable. Donc la décision, c'est pas entre ça va disparaître ou pas, je crois que là, il est devenu un peu trop gauchiste, là. Hein? Je crois qu'il faut dire non, aujourd'hui... Okay, but can you explain then why the European League... Ah oui, mais moi je suis en costard aujourd'hui, je suis à droite. Hein? Okay, but then explain to me why the European leaders, European Council, European Commission, are finding themselves in some state of delusion because they think there's a middle way. Yeah. But no, it's a transfer. They say, give us time. The problem is political. Give us the time, and we will solve the problem. The problem is political. It's a transfer of power. It's a transfer of influence. It's a transfer of power that they have to make. That's the problem. And they are all have their power on the national level. And their problem is to recognize that they have to transfer it to the supranational level. And the only who can oblige them to do are, in fact, citizens in elections to oblige them to do so. That is what has to happen in Europe. And it's possible. Take, for example, the Dutch elections. I shall not say that it were an ideal result at the end, but it was not Wilders who won the election. He said, Wilders, extreme right-wing party in the Netherlands, that he wanted to leave the euro, that he wanted to come back to the Dutch Gelder. And he lost one-third of his electorate. So it is not true that Eurosceptics every time win the election. And that it's impossible to have a public support for a pro-European policy. The problem is that there are not national leaders who defend the European vision. And if you don't have leaders who defend the European vision, you can't have public opinions who are following that vision. That's the problem. And I think always that it is politicians that can create a public opinion, and we need it as urgently as possible. Europe shall not disappear, Danny, I agree with you. It shall become, like I say, the United Nations owned Europe. Yes. What it is for the moment. It's a confederation of people coming together four times a year, or six times a year, ten times a year. They lack, ils s'aiment tellement qu'ils viennent de plus en plus ensemble. We got in total 27 summits since the start of the crisis. The crisis started, as you know, exactly 3 years ago. Mm-hmm. Day by day, I should say. Mm-hmm. Because it was in December 2009. And in total, they did 27 summits. Every time taking half measures. Every time too little and too late. Le problème, c'est que il n'y a pas seulement 27 sommets, mais il y a 27 élections entre-temps. Et le problème des gouvernements, tu prends le gouvernement allemand, il ne pouvait pas dire avant l'élection très importante de Rhénanie-Westphalie qui va changer la face du monde, Madame Merkel ne pouvait pas dire avant ces élections, que de toute façon elle a perdu, de soutenir la Grèce. Et puis après, il y a eu la France où Sarkozy ne pouvait pas, parce que de toute façon, il allait perdre une élection, donc de toute façon, il ne pouvait rien dire. Hollande, il est après l'élection, mais de nouveau, il y a bientôt des élections, donc de toute façon, il ne peut pas dire quelque chose. Et il y a les élections allemandes qui auront lieu en septembre. Et d'abord, les élections italiennes. Et maintenant, il y a les élections italiennes. Donc, je veux dire qu'à chaque fois, le personnel politique ne regarde pas ce qui est nécessaire pour l'Europe, il regarde ce qu'il croit pouvoir, devoir vendre à leur espace public avant une élection à ce propos, justement, nationale. À ce propos. Est-ce qu'ils pensent qu'il est leur opinion publique, hein? Okay, but how do you solve that problem? Because Mr. Verhofstadt, you know better than anyone, politics is a survival game. Huh? And this discussion reminds me of what young Bruno Tobak once said about governing. He said, I know... Bruno Tobak? It's a young president of the Socialist Party. And he said, I know perfectly... Well, some introduction in Belgian politics for Danny. Flemish socialist leader. Okay. And he said, I know perfectly well what has to be done, but if I do it, I won't be getting elected anymore. Well, that's a bad attitude, sorry. What is wrong to say against the public opinion? I think we need more Europe. Maybe it can be not very popular in the beginning, but if you see what's happening with the euro, I think people understand that.
Again, I give you the Dutch selection because there was a political party who said we want to go out the euro. And what happened was that people, the Dutch, said, is that a good idea? Then the different banks and other institutions made some analysis about it. And they discovered that if the Dutch went out of the euro, then they should have an economic downturn 3 times bigger as the Lehman debacle for their economy. And it's the same for Belgium. If Belgium tomorrow leaves, you can say -4, -5%. That's not a recession, eh? That's more than a recession. That's 10 times a recession in Belgium. And the same for Germany, because the country who has the most to lose from the disappearance of the euro is Germany, because their economy is working on this. You can tell that to the people. What Danny is saying here about the number of soldiers in Europe, that you need more pooling on the European level to solve our problems and to play a role worldwide. A diplomat is the same. We have 3 times more diplomats than the US. We have 4 times more soldiers than the US. In Europe until now, maybe it shall change, a small company had an invention, it has to protect his invention. You have to ask for a protection in every country separately. That costs 10 times more than an American company who is protecting his invention. Yes. And that are the arguments to play with. And certainly the main argument, and that is what Danny said in the beginning, and the main topic of the book, is that if you want to regain your sovereignty, that's the possibility to decide on your own life. Forget that in the world of tomorrow, you can do it on the national level. It's a lie when you talk about climate change. How do you solve it? Hein, j'ai bien travaillé, hein? Wait. Monsieur Verhofstadt. If you have to have a regulation of financial markets, okay? Tu as bien travaillé. What do you have to do? How you do it? You can only do it on the... So the word sovereignty, les souverainistes, those people who defend sovereignty from the right and from the left. In France, you have from the right and from the left. They all say, yeah, but national borders, that's the protection in this world of tomorrow, in this globalized world. We can only protect your education. We can only protect your social model. We can only protect your social rights on the national level. Well, ask to the Greeks how they feel protected by the national sovereignty. Ask to the Spanish citizens how they feel protected by the Spanish national sovereignty. It's only on the European level that you can do. Why? Because the G8 of tomorrow, where normally many important things are decided, that's the US, Japan, China, India, Brazil, Russia, Mexico. Then Mexico, thank you, and Indonesia. That's the G8 in 30 years from now on. No one European country shall be presented there. Monsieur, so it's a lie that national sovereignty protects our citizens. Only on the European level you can. Vous remarquerez qu'il n'y a pas besoin de les chauffer beaucoup pour les faire parler. Mais pour un journaliste, c'est le rêve. On peut donner un exemple actuel. Oui. Vous avez en France le problème de Florange, de la sidérurgie. Mm-hmm. Vous avez le même problème en Belgique. Absolument. Vous avez le même problème au Luxembourg. Ces cons de gouvernement, au lieu de dire il faut aujourd'hui opposer Mittal à l'Europe, ils se font manger un par un par Mittal. Oui. Mais il n'y a même pas besoin d'aller chercher Mittal. L'enjeu de demain, c'est l'automobile. Oui, je voulais continuer. Voilà, l'automobile va mal. Est-ce que vous avez entendu la Commission proposer un plan automobile comme elle a proposé il y a 30 ans, un plan acier? Exactement. Jamais. Et chacun avec ses problèmes dans son coin. Monsieur Verhagen, qui était commissaire, était justement mis là-bas pour s'opposer. Empêcher une politique. Mais je trouve que vous êtes dur avec les États particuliers. Comment? Parce que vous êtes dur par rapport aux États individuels, parce qu'ils ne demanderaient pas mieux qu'à un moment donné l'Europe prenne le relais. Où est l'Europe pendant qu'ils discutent, qu'ils sont tout seuls? Mais le problème, il est. Alors, écoutez, vous avez les chefs d'État, je ne veux pas dire de méchanceté sur lui parce qu'il évolue un peu, donc, mais je vous dis, qui ont imposé M. Barroso. M. Barroso, au-delà des accords ou des divergences, il fait une erreur fondamentale en tant que président de la Commission. C'est lui qui a le pouvoir d'initiative. Au lieu de mettre sur la table une initiative. Donc c'est lui qui devrait apporter des solutions. Au Parlement et au Conseil, il dit avant de mettre sur la table une initiative, il faut que je demande à Berlin et à Paris s'ils sont d'accord. Donc
c'est la castration sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Avant qu'il ait fait quoi que ce soit, il est déjà châtré. Et je crois que sur l'automobile, c'est évident. Vous ouvrez un journal allemand ou les informations et vous avez le gouvernement allemand qui dit « On va sauver Opel, on va sauver je ne sais pas quoi ». Évidemment, ils vont fermer un des deux sites d'autres. Ça marche mieux si c'est nous qui le disons. Ici, c'est Ford. En France, on va sauver Peugeot. Tintin, ils vont fermer. Parce que aujourd'hui, l'automobile ne peut plus être le moteur de l'économie comme c'était le cas il y a 30 ans. Donc, où l'Europe met sur pied une transformation industrielle qui, justement, défend maintenant une autre idée de la mobilité. Des tramways européens, un grand consortium ou des consortiums européens de tramways, comme on a fait EADS avec les avions. Parce que le tramway, c'est la mobilité dans toutes les villes, non seulement en Europe, le renouvellement, c'est-à-dire en Hongrie, en Pologne, etc., mais c'est aussi en Amérique latine et partout. Donc vous avez un potentiel. Mais aujourd'hui, on a une vision nationalo-crétine. Hein, ah, c'est Peugeot ou c'est... On ne va pas sauver Peugeot, Fiat, Ford, Opel, etc. Non, c'est pas possible. C'est mathématiquement pas possible. Ok. Ok. Donc. Tout à fait. Je pense que vous êtes dur en disant que les États sont relativement seuls face à ces enjeux. Mais l'acier, c'est la même chose. Mais à l'époque, il y a une initiative qui était prise. La consommation en Chine a augmenté avec 5% et la capacité de production a augmenté avec 200%. Et donc, si vous voulez avoir une capacité pour être en compétition avec ça, il faut le faire au niveau européen. C'est la seule possibilité. On a Étienne Davignon ici. Pourrait venir nous parler du plan acier. C'est lui qui l'a mis, qui a Exactement. Restructuré tout l'acier européen. On a oublié. Stevie. Oui, Stevie. Aussi. Étienne Davignon. Alors, vous parlez d'un discours européen qui s'oppose, que les politiques devraient porter un discours plus européen. Le problème, c'est quelque part, vous êtes un peu, même pas le maître dans votre propre territoire, parce qu'en fait, les discours aujourd'hui, les hommes politiques ne portent pas, qui marchent, qui sont populaires, ne portent pas du tout les discours européens, ils ne portent même plus du tout les discours nationaux, ils portent des discours nationalistes ou régionalistes. On le sait en Flandre, on le sait aussi en Catalogne, on le sait en Écosse. Donc comment est-ce que vous pensez pouvoir lutter? Oui, et dans vous faites la comparaison tout... entre le Catalogne et la Flandre. Je vais quand même faire un petit question mark là-dessus pour dire qu'il y a une grande différence. Parce que les Catalans sont... Elle ne va pas trop loin, il y a une interview dans Libération. Ah bon, je ne peux rien dire parce que ça va apparaître dans Libé. Voilà, et donc, je voulais vous dire quelque chose qui va apparaître dans Libé demain et donc je ne peux voilà, pas... Voilà, 1,60€, pardon. Donc il faut acheter Libé pour avoir la réponse à cette très bonne question. Voilà. Non. Je vais quand même le faire parce qu'il est là comme nous, hein, donc il a les mêmes droits. Donc moi j'ai dit simplement la chose suivante, c'est que les Catalans, ils sont une minorité en Espagne. En Flandre, il n'y a pas ça. Les Flamands, ils sont majoritaires en Belgique. Je ne vois pas pourquoi les Flamands, ils sont en train de se dire qu'il faut une nation flamande. Selon moi, ça n'existe même pas, la nation flamande. Ce qui existe en Belgique... Mais notez-le, la nation surtout, flamande n'existe pas. Et surtout... Notez-le. Surtout, ce serait bien qu'un Français disait ça aussi de la France, mais ça, c'est plus c'est difficile. C'est différent. Bon. là, c'est plus difficile. Bon. C'est vrai, ce sont des villes, des localités, ce sont des voilà la réalité. Et donc, au niveau européen, c'est vrai que quand il y a une crise, il y a comme ça une opinion publique et surtout des hommes politiques qui se disent, bon, crise, on va se mettre sur une direction populiste, nationaliste, parce que là, ça donne une soi-disant sécurité aux gens. Mais c'est à nous, à d'autres hommes politiques, de dire le contraire, ils ont de dire du mal, c'est ils pas ont du mal. Au niveau national que vous allez protéger votre sécurité sociale, vos droits, votre industrie automobile, de l'acier, etc. Ce n'est que en réinventant cette souveraineté. Oui, franchement, au niveau monsieur Verhofstadt, aujourd'hui, on et, le voit. Et en plus, moi, je crois dans une Europe multiculturelle parce que je crois la réalité de toutes nos villes, c'est multiculturel. Oui. Enfin, c'est la réalité. Une question quand même, alors, Guy Verhofstadt, sur la Belgique, c'est quand même une fédération qui a d'énormes problèmes. Donc si flamands et francophones n'arrivent pas à cohabiter ensemble, comment on va faire avec 27 pays ? Est-ce que c'est une fédération ? Ça, c'est la question. Moi, je ne pense pas que c'est une vraie fédération.
que c'est du fédéralisme qu'on a dans ce pays, puisqu'il n'y a pas de circonscription nationale, ce qui existe dans tout État fédéral. Et je crois que c'est une grave erreur de ne pas la réaliser dans les années qui viennent. Parce que c'est très bien d'avoir le roi comme symbole de l'unité. C'est très bien d'avoir... Ça, en France, on l'a abandonné. Oui, ouais, mais nous, on l'a encore. Bon, c'est très bien qu'on l'a. Mais parler pour la France, moi, je parle pour la Belgique, parce qu'autrement, on va se disputer. Il faut écrire un deuxième livre, apparemment. Ouais. Donc, voilà. Mais ce n'est pas assez. Il faut un système institutionnel pour le faire. Et le système institutionnel fédéral, ça veut dire qu'il y a une cohérence et qu'il y a des circonscriptions, par exemple, au niveau fédéral. Et c'est ça la solution pour notre problème. Et pas continuer dans une soi-disant confédéralisme qui est en réalité un autre mot pour séparatisme. Oui. Voilà ce que je pense. Monsieur Verhofstadt, qui va gagner la course entre les régionalistes et les fédéralistes européens? Qui va gagner? Parce qu'on a l'impression ici, et de façon générale dans les idées qui se diffusent en Europe, que le peuple, les gens... Moi, je m'excuse, mais cette course, je ne la connais pas. Il y a naturellement le cas écossais, il y a le cas catalan, etc. Il y a en plus 80 nations, entre guillemets, en Europe. Si donc on veut faire pour chaque peuple un État, il y a 80 États en Europe. Ce n'est pas là le problème pour le moment. Le vrai problème, et le vrai problème fondamental, c'est une manque de nos élites nationales de voir l'Europe fédérale comme l'avenir et de transférer du pouvoir. Voilà le vrai défi. Mais quand on dit, pas une compétition entre... Quand on dit que l'Europe est la solution pour tout, et je vais citer votre livre... Pas pour tout. Je vais citer votre livre, page 39. Maudissons ces traités amputés de notre drapeau et de notre hymne. Notre patrie aujourd'hui est l'Europe. Notre hymne est l'ode à la joie. Et notre drapeau, le drapeau bleu aux 12 étoiles. Ouais. Ça me donne une impression presque nationaliste. Est-ce que vous êtes un nationaliste européen? Ouais, mais ça, c'est parce qu'on joue, écoutez, on joue, c'est vrai qu'il joue sur les mots, enfin, là-dessus, mais encore une fois, j'étais à Barcelone il y a un mois. J'ai ouvert la session théâtrale. Donc j'ai fait un discours au théâtre et après j'ai dîné avec les 20 responsables des théâtres de Barcelone. Et on avait une discussion et puis à un moment, c'est parti sur le nationalisme, le régionalisme, etc. Et il y a un responsable qui dit « Moi, je veux que les Catalans décident pour les Catalans. » J'ai dit « D'accord, d'accord. Moi, je signe tout de suite si tu peux me répondre à une question. » Pourquoi un gouvernement catalan de droite est moins con qu'un gouvernement espagnol de droite? Si tu me réponds à cette question, je suis pour le catalan. Il dit oui, mais ça sera un catalan qui décidera pour moi. Quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui, le régionalisme catalan s'explique par l'arrogance de Madrid. On peut bien expliquer en quoi il y a effectivement une domination centralisatrice. Comme d'ailleurs le jacobinisme français, il y a une arrogance du centralisme français. L'Île-de-France qui domine toutes qui les domine, nations. Mais ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais, alors, ce qui est intéressant en Catalogne, c'est que ça soit les nationalistes ou les indépendantistes du centre droit ou de gauche, ils sont d'accord sur une chose. Mais nous restons dans l'Europe. Pas question, ils ne veulent pas quitter l'Europe. Et je crois que ce qu'il faut maintenant expliquer à tout le monde et revenir un peu sur quelque chose de plus terre à terre, c'est de dire, voilà, il y a certains problèmes qu'on ne peut plus résoudre au niveau national. La lutte contre la dégradation climatique. La Catalogne peut faire demain la meilleure politique environnementale imaginable. Mais son influence sur le climat, c'est 0,0002%. C'est-à-dire qu'il faut une force comme l'Europe qui soit un exemple de lutte contre la dégradation climatique, donc la réduction de CO2, qui puisse, dans le débat planétaire qui n'est pas facile, avoir une influence. Donc, si nous voulons, si nous croyons qu'aujourd'hui en Europe, et ça je suis persuadé, que les Européens ont mieux compris le problème de la dégradation climatique, il nous faut que cette Europe-là se mette en ordre de capacité, justement, d'affronter la Chine, d'affronter le Brésil, d'affronter les États-Unis. Et ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un Sarkozy qui se,
qui remue dans tous les sens, qui va vraiment faire impressionner le président brésilien, le président ou la présidente brésilienne, ou chinois ou américain. Je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'Europe, c'est quand même la première force économique du monde. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi cette force économique, elle accepte ces inégalités incroyables dans l'espace européen entre le Sud et le Nord, etc. Et on en revient au problème du budget. On a besoin d'un budget européen pour justement surmonter les inégalités qui existent en Europe. Et que tout le débat ridicule sur le budget européen, non seulement 1%, mais c'est toi qui as fait le calcul, le budget européen, c'est aujourd'hui 73 centimes par jour que donne chaque citoyen à l'Europe. Et là, le combat entre héroïque, entre M. Cameron et la Commission, est-ce qu'on va donner 69 centimes par jour ou 75 centimes par jour? Ouh là 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 là! Ouh là là! Car ça y va, les enfants, ça y va. Et alors, au lieu de dire, et on est dans un combat complètement idiot, les États membres disent, nous, on n'a plus d'argent. Et nous, ça fait des années qu'on dit, allons vers un budget européen de ressources propres. Oui, oui. Là, si vous me permettez. Je vous permets ce que vous voulez, mais je finis quand même ma phrase. Oui, mais hein, monsieur Verhofstadt, si vous permettez. Monsieur Verhofstadt n'a pas encore répondu à ma question précédente. En die vraag was, net zoals Bart de Wever gelooft, dat het Vlaamse niveau, het zaligmakende niveau is om alle problemen op te lossen. Net zoals 27 regeringsleiders geloven dat het nationale niveau het zaligmakende is om Europa te leiden, bent u niet even bijna passioneel overtuigd dat Europa het niveau is dat alles zal oplossen? Elk niveau heeft zijn rol te spelen. Elk niveau can be local, can be regional, can be national and supranational on the European level. The fact that we create a European Federation doesn't mean that the nation states disappear or that the regions disappear, but makes that you do a real federal supranational policy which is absolutely necessary on the European level. And I come back to the budget and the 63, 65, 67 cent. It's 140 billion euro. That's the budget 1 year in Europe. You know what the budget is of the 27 member states? 6,300 billion euro. In English, it's far more impressive. It's 6.3 trillion euro. That's 50 times more than its 1%. So the fact that we say we need more federal policies on, for example, a common industrial project on steel, a common industrial project on automotive industry, a serious European bond market that we can lower a little bit its interest rates, and maybe we have to come back to this, doesn't mean a disappearance of the nation states. Only they have to do it within the framework decided on the European level. And why? Because otherwise you can't have a currency. We have to be aware of the fact that if you have a currency, that gives some advantages, but are also duties. And the duties is that you have to follow the same policies, not all 100%, but you have to save the same direction. That's what we call convergent policy. It's not possible what we have today, that one economy is going in one direction and the Greek economy in a totally different direction. Then you create what we have today, a currency with enormous tensions, spreads what we call, where there is one country paying 1.5% interest rate and the Germans have even a negative interest rate today. You know what it means, eh? You have, if you give money to the Germans, you have to pay for it. That's now the new, on the short term, financing. You say, yeah, okay, I give a loan to Germany. Well, you pay for your loan that you give to Germany. That's a negative interest rate. And other countries, like for example Greece today, has to borrow at 15%. And that's a stupidity. If we don't create Europe, if we don't create a bond market, if we don't create Eurobonds, we shall never solve the Spanish problem, we shall never solve the Italian problem, and the euro shall disappear. That is policy on the European level. But what they do with that money,
They can still decide it on the national and regional level. Monsieur Verhofstadt, est-ce qu'on peut vendre aujourd'hui cette idée quand même de solidarité entre des Norvégiens et des Grecs, enfin des Suédois? Les Norvégiens sont pas en Europe. Non, je sais, je sais. Entre des Suédois. D'abord, on veut leur pétrole, et après on discutera. Comment vous pouvez défendre leur gaz et leur pétrole? Des solidarités entre les Suédois, les Grecs et entre les Belges et les Grecs, alors qu'on a déjà du mal à défendre une solidarité entre des gens qui se côtoient ici dans ce même pays. Cette notion de aider ceux qui se portent moins bien est une notion qui disparaît. On a vu, il y a certaines personnes qui estiment que l'Europe doit être scindée en deux, que la vraie solution, c'est d'arrêter l'Europe à l'Europe du Nord, à la Flandre parfois, de façon à ce qu'il y ait une Europe de semblables et qu'on arrête d'être une Europe de subsides. Mais on abuse, c'est un abus de ce qu'on fait aujourd'hui. Les hommes politiques disent, ouais, les contribuables allemands, ils payent pour les Grecs qui... C'est pas vrai. On est d'accord. C'est pas la réalité, mais, non plus. Mais le message ne passe pas. Comment est-ce que vous pensez que le message va passer? Parce qu'on ne dit pas la réalité aux gens. Écoutez, attendez, on n'a pas dit que la situation dans nos sociétés était admirable et que c'est pour ça qu'on a des difficultés de construire l'Europe. Si vous voulez nous dire que le système économique dans lequel nous vivons nous a amené à un égoïsme généralisé et que l'angoisse de perdre quelque chose fait de beaucoup de citoyens des petits monstres qui s'accroche à quelque chose et qui pousse et qui rejette quelqu'un qui semble les menacer, vous avez raison. Donc, on a deux problèmes. On a le problème de ce qu'on a appelé, je ne veux pas dire du mal de Guy, donc j'essaie de trouver quelque chose sur néolibéralisme. Ouais. Mais quelque chose semblable. Bah, le ultracapitalisme. L'ultracapitalisme, d'accord. Voilà. Donc, je dois lui souffler les mots maintenant. Donc, c'est vrai ce que vous dites, mais le drame, c'est que pour sortir de cette situation au niveau national, on n'y arrivera pas. Si vous arrivez à me démontrer qu'on peut recréer une solidarité nationale qui fonctionnera et qui amènera plus d'égalité, pas l'égalitarisme, mais plus de justice sociale, let's go! Mais c'est là où on voit qu'aujourd'hui, face à la mondialisation, chaque économie nationale ne fait pas le poids. Et que l'Allemagne est un pays d'une efficacité économique redoutable, mais qui est profondément injuste. La France est une économie d'une inefficacité redoutable, mais qui est profondément injuste. Oh, ça, c'est l'arrogance allemande. C'est horrible, horrible. Non mais, cela dit, la question de Béatrice, tu n'y réponds pas directement. Parce que c'est vrai que on a le sentiment que dans les États, et dans les États-nations comme la France, la solidarité est davantage admise entre les riches et les pauvres, même si c'est contesté par une partie de la population, qu'entre les pays. Prends l'exemple de l'unification allemande. Ouais. Prends l'exemple comment les politiques allemands ont dû ramer pour expliquer que l'Ouest doit payer pour les nouveaux Länder. C'est pas vrai qu'il y a eu d'abord le « on est tous allemands, on vous donne des bananes, venez voir, vous avez des bananes », etc. Mais quand les bananes se sont transportées en euros, en Deutschmark, et après en euros qui ne fait pas laisser de l'autre côté, on a commencé à calculer. Et c'était des combats de chiffonniers. La justice dans nos sociétés est un mot étranger. Et que c'est vrai que, alors là, comme il y a une crise du politique, nous vivons d'une crise de légitimité, de capacité des politiques à vraiment mobiliser les citoyens. Donc dans un moment de crise, les citoyens se replient vers quelque chose qu'ils croient mieux connaître ou qu'ils connaissent mieux. Mais ça ne veut pas dire que ce mieux-là est capable de répondre. C'est ça la contradiction dans laquelle nous sommes. Mais la difficulté de l'Europe, c'est qu'est-ce qu'elle leur offre en échange? Une identité qui n'est pas vraiment reconnue, parce que malgré votre histoire de drapeau, c'est une civilisation. Attendez, concrètement, il faut l'expliquer que c'est une civilisation, mais concrètement, les gens ne se réfugient pas dans l'identité européenne. La deuxième chose, c'est pour beaucoup, l'identité européenne, c'est une complexité insurmontable. C'est-à-dire que ce qu'on peut penser parfois de la Belgique... Oh, la Belgique, c'est une simplicité. Oui, sans doute. Alors là, expliquez ça aux Français ou aux Allemands,
Et vous allez mettre du temps, hein. Sauf qu'en Belgique, si on a... Encore, si vous mais pourquoi avez vous utilisez soirée, le mot... Pourquoi vous utilisez le mot identité? Pourquoi vous voulez... Moi, dans le livre, on n'a pas voulu dire qu'il faut maintenant une identité européenne qui remplace l'identité nationale. Moi, dans le bouquin, on dit exactement l'inverse. On dit que le mot identité, ça pose problème. Chacun a sa propre identité, mais elle est complexe, elle est multiple. Elle connaît plusieurs aspects. Et donc, c'est faux de commencer à utiliser le mot identité dans le sens comme les hommes politiques le font, en disant, voilà, vous avez votre identité nationale. Il faut la découvrir et vous seriez heureux. Hein? Parce que c'est ça que disent les nationalistes. Il faut simplement la découvrir, votre identité collective. Et elle, nationale, elle peut être basée sur la religion, elle peut être basée sur la langue, elle peut être basée sur une ethnicité. C'est ça que disent les nationalistes. Et on ne va pas la remplacer parce que c'est aussi la réponse à la question qui a été posée par « Ah, vous avez maintenant une identité européenne. Hein? Faites attention hein, quand vous sortez de l'Europe, que vous la gardez. Hein? » hein? C'est pas ça. Ce que l'Europe est pour le moment, et ce que l'Europe est le point commun, c'est une civilisation, c'est notre culture commune, c'est notre histoire commune, c'est la littérature. Il existe une littérature européenne, il existe une architecture européenne. Si vous allez d'ici jusqu'au Volga, vous trouvez dans toutes les villes la même architecture. L'Art nouveau, par exemple. Vous la trouvez dans toutes les parties de l'Europe. Voilà notre... La ville de la Renaissance, vous la retrouvez dans les pays baltes. Et donc, allez vous promener, vous la retrouvez en Pologne. Donc vous avez une histoire commune et des guerres communes. Mais moi, je vais vous donner un exemple pour mettre tout le monde d'accord. Ah. Je vous donne un exemple de football. D'accord. Tout le monde, quand il y a l'Euro... Il y avait 16 équipes, il y en aura 24 la prochaine fois, donc, et ça, tout le monde veut que son équipe gagne. Et bien moi, je propose que la prochaine fois, à part les 24 équipes, on en mette une 25e. Et moi, je suis sélectionneur, je prendrai tous les joueurs des pays nationaux, les meilleurs qui n'ont pas été sélectionnés dans leur pays, tout ça et j'en fais une équipe européenne. C'est pas sympa. Et moi, je vous dis que si je fais ça, donc tous les meilleurs joueurs de ceux qui n'ont pas été dans les 22 sélectionnés dans leur pays... Je prends un peu au-dessous et je vous parie que c'est cette équipe européenne qui va gagner. On a en tout cas un entraîneur déjà. Hein? Ça, c'est, voilà. Ce qui est le job le plus difficile hein? Dans le football, ça ne dure pas longtemps, hein, mon cher Dany. Dans le Parlement européen, tu as 5 ans, hein? Mais là-bas, c'est rare. Hein? Malheureusement, ça va faire 20 ans. Donc ouais. Il est temps d'arrêter. Mais dans le golf, tu as ça. Donc le Ryder's Cup, par exemple, c'est l'équipe européenne, ça existe. Qui a gagné d'ailleurs contre les Américains. Pourquoi pas? Dave Verhofstadt, isn't one of the problems for your ideal of more Europe that in the history of the European Union, it has always had the emphasis on economic globalization? Yeah. It was always internal market, free market, make money, Euro, profit. And earlier on in the debate, you said people in Greece, people in Spain have lost the illusion that their national states can protect their social. They lost the illusion on Europe too. Can protect their social security. Where have they ever seen in the history of Europe a sign that Europe can protect their social security? I agree with that. If we can have in the future, in the next years. If we don't have the capacity to develop also next to an economic and a fiscal union, also a social Europe, and also on other issues, for example, European defense. And for example, also in my opinion, that's one of the proposals in the book, a European passport. Then you can... Fiscalité? Yeah, also. If we can do that, if you can do that... But you have tens of years of time to oui, start monsieur, with that. Monsieur, monsieur, écoutez... Là, vous nous, il y a un truc comme ça, je trouve extraordinaire. Vous prenez l'État-nation tel qu'il est aujourd'hui. Imaginons que les démocraties dans les États membres-nations soient une démocratie stabilisée. C'est difficile pour la Hongrie et tout ça, mais passons. Je ne veux pas être un peu minimaliste. Hein. Combien de temps ces États ont mis pour être ce qu'ils sont aujourd'hui? Vous n'allez pas me dire que l'Allemagne, qui aujourd'hui est une véritable démocratie, si je prends il y a 60 ans, c'était plutôt compliqué, ou 70 ans. Hein? Bon, la France, la Révolution française,
Ah, on se met à genoux devant, hein. Extraordinaire. La France a mis 150 ans. 1-5-0 pour donner le droit de vote aux femmes. 150 ans après la Révolution française. Donc ne me racontez pas des histoires sur l'État-nation. Ça a été quand même 2 siècles de combats, de révolutions, de contre-révolutions, de luttes de classe, des gens qui sont morts pour l'égalité sociale. C'est pas le pape qui s'est réveillé un matin qui dit « Il faut plus de justice sociale, il faut l'égalité des femmes, il faut ceci. » Ce sont les gens qui l'ont imposé. Et donc, nous, ce qu'on fait, on va peut-être perdre, mais on veut au moins témoigner pour aujourd'hui et pour l'avenir que si nous voulons plus de justice sociale, si nous voulons plus de compter dans le monde et non de pas subir le monde, eh bien, c'est dans la direction que nous décrivons qu'il faut aller. Et puis on verra. On peut perdre, on perdra vraisemblablement, mais il restera quelque chose. Il restera quelque chose parce que l'histoire, c'est pas simplement, ça n'avance pas en ligne droite. Ça avance, ça tombe, ça retombe. Et c'est ça l'histoire des États-nations. Donc vous ne donnez pas d'horizon de temps. Mais parce que c'est pas possible. Vous êtes même pas capable de donner un horizon de temps pour le soir ou pour Morgan, avec le développement des nouvelles technologies. Absolument. Donc arrêtez de dire il faut un horizon de temps. Enfin, arrêtez. Je pense juste que... Néanmoins, les citoyens ne doivent pas attendre. Ils peuvent faire la révolution en 2014, déjà. Voilà, mais c'est ça, parce que... Ah, c'est vrai. Oui. Je pense quand même que vous pouvez parler comme ça parce que vous êtes là sur un fauteuil, mais je pense qu'un homme politique qui va se présenter à des élections, ouais. Je veux dire comme un rédacteur en chef qui va se présenter devant ses journalistes, et il alors... doit leur donner un horizon temps. Et alors, quel est votre horizon temps? Les gens vont se... Vous ne pouvez pas dire aux Grecs, écoutez, ça va s'améliorer, à 3 générations, ça va aller beaucoup mieux dans 3 générations. Mais Dani, je crois qu'en l'occurrence, Guy Verhofstadt a donné la réponse. Je veux dire que tous les États, et moi, dans tous mes contacts que je peux avoir dans les capitales européennes, considèrent que les élections européennes de juin 2014, qui tomberont au moment du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, la plus sanglante qu'on ait connue sur le continent européen, considèrent que ce seront des élections constituantes. Il y a un horizon de temps. Nous y sommes. Donc, la réponse, Guy l'a donnée. L'horizon de temps, c'est qu'on sait où il faut commencer. On sait maintenant qu'il va y avoir une convention dès le 1er janvier 2015. Il y a plus ou moins un début de consensus, même avec le Conseil, même avec quelques pays, comme la France et l'Allemagne, qui acceptent aujourd'hui de dire « Oui, il faut une convention, nous avons appelé ça un peu différemment, constituante, pour, en fait, retravailler les traités. » Pas pour encore une fois y ajouter encore des traités, mais pour avoir ce que les Allemands appellent un « Grundgesetz ». Une loi fondamentale. Une loi fondamentale, qui doit décrire vraiment cette Europe fédérale. Vous faites un parallèle avec la conférence de Philadelphie. Oui, moi je fais toujours le livre le fait aussi, avec la convention de Philadelphie, c'était en 1780. La seule différence, c'est que l'Europe a ses guerres avant et que la conférence de Philadelphie a créé la situation... C'est-à-dire, oui, mais... la guerre civile. Donc, on ne peut pas faire Philadelphie. Non. Hein? Non, ça sera on pas... On a donné, ça ne sera pas à Philadelphie, mais en tout état de cause, ça a été le moment où la Confédération américaine, qui était basée sur l'unanimité, les 13 États, il y avait 13 États, a été... changé, reformé dans un État fédéral pur. C'est-à-dire que dorénavant, après cette convention, 9 États, ça suffisait pour que les 4 autres s'inclinaient. Donc c'était une majorité qualifiée. La même chose, il faut la créer chez nous, parce que pour la plupart des choses, c'est encore l'unanimité dans le Conseil. Mais comment ça, vous êtes déjà à 2? Comment arriver à une majorité? Oui, vous êtes deux. Attendez. Donc, l'idée, vous êtes déjà deux. L'idée, mais... c'est de faire... On est deux. Oui, mais il nous faut la majorité de 500 millions. Alors, deux, oui, ça mais suffit comment pas. Oui, mais d'accord. Encore une fois. Vous savez, il y a quelque chose qui travaille dans la tentative d'explication. Donc, j'arrive toujours à une explication absolument débile. Je suis né en 1900... Je sais, il y en a beaucoup qui l'ont déjà entendu, mais il faut toujours l'amener à ce moment. Je suis né en 1945. J'ai été conçu à la première possibilité biologique après le débarquement des Alliés en Normandie. OK ? Vous connaissez l'histoire, on fait quelque chose, ça dure 9 mois, et plan,
hein? Ok. Je suis né en avril 45. Imaginez, j'arrive et je commence à parler. Et je dis à mes parents, dans 60 ans, il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Mes parents diront, on a un problème, il parle trop tôt, il dit n'importe quoi. Ok? Ok. J'explique cela pourquoi. Parce que c'était évident. Et si en 1953, on aurait fait un référendum en France. Il est né à ce moment-là. Il est né en soi. Voilà. C'est un petit jeune. Hein? Ouais, ouais. Voilà. Hein? Il est donc en 53-54. Vous faites un référendum en France et vous dites, est-ce que vous voulez vous réconcilier avec les Allemands? 80% ont dit, allez vous faire voir. Hein? Oradour, c'est trop près. Ce qui est vrai. Donc l'histoire, elle n'avance pas comme ça par un consensus spontané des peuples. L'histoire avance par un travail que font les politiques, ouais, les peuples, les intellectuels, les gens qui sentent que quelque chose ne fonctionne pas. Donc, okay, but you have to be patient then. No, in your book you, you say have to be in impatient. 2014. No, il faut in être 2014, impatient. You will already have your il faut être impatient, mais savoir que ça peut durer un peu plus longtemps. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi? Et là encore. Et on est des impatients. Hein, là encore, la chose qu'on propose pour 2014. Est-ce que vous pouvez l'expliquer bien, oui, bien? Parce que je pense que c'est important de l'expliquer bien. Oui, ça. Voilà. On vous, alors, en 2014, on voudrait, disons maintenant, c'est un peu idéaliste ce que je vais dire. L'idéal serait que. Mais c'est dans votre livre, donc hein, c'est quand même une proposition. Voilà, que dans cette loi fondamentale, ce Grundgesetz, on définit le pourquoi de l'Europe, l'architecture démocratique de l'Europe, et qu'on dise l'Europe, c'est donc une monnaie commune, voilà. L'Europe, c'est une défense commune, l'Europe, c'est une politique étrangère commune, l'Europe vise à être représentée en tant qu'Europe au Conseil de sécurité, qui est la logique d'une politique étrangère commune, l'Europe, c'est donc une possibilité d'avoir une structure fédérale avec un gouvernement. Qui... Donc, l'unité dans la différence, qui garantit les différences, tout en donnant une capacité d'existence dans le monde d'aujourd'hui. À partir de là, vous avez cette loi fondamentale qui fait une vingtaine de pages, la loi fondamentale allemande à 193 articles, si je ne me trompe pas. Bon, qui définissent tout ça. Et on met ça au vote, voilà, en 2016, disons, au vote, on fait un référendum dans toute l'Europe. Fait un référendum dans toute l'Europe où on dit, donc l'Europe c'est tout ça, hein, l'euro, il n'y a plus opting out, opting out, rabais, non, on est tous ensemble. Bon, à partir de là, le vote a lieu et cette constitution européenne est acceptée si une majorité d'Européens vote oui et s'il y a une majorité de pays dans lequel le oui a gagné, pour qu'il n'y ait pas une double majorité, pour que les petits États aient le même poids que les États avec une plus grande population. Disons que sur les 27 pays, eh bien, il y en a 18 qui aient dit oui. Que font ceux qui ont dit non? Et je dis, ils font ce qu'a fait la Bavière. Il est complètement crétin, la Bavière. Quand l'Allemagne a fait sa loi fondamentale, la Bavière a refusé le Grundgesetz. Les autres Länder l'avaient accepté. Mais la Bavière s'est soumise au vote des autres. Autant que je sache, la Bavière fait partie de l'Allemagne. Il y en a qui le regrettent, mais c'est la vie. Hein, c'est comme ça. Et donc, je dis, les États devront choisir, les Anglais devront choisir s'ils veulent devenir le 52e État des États-Unis, parce que 51e, maintenant, ça sera Porto Rico. Donc, le 52e État des États-Unis ou rester dans l'Europe. S'ils ne veulent pas rester dans l'Europe, eh bien, nous avons une stratégie toute faite, qui est le partenariat privilégié, qu'on offrira à la Turquie et à l'Angleterre. Voilà. Et à la Norvège. Hein? Et à la Norvège. À la Norvège. Alors, okay, est-ce you que got vous... a, you got a very strong political program. Let's say you convinced me. And in 2014, at the European elections, I want to support you. Mm-hmm. I can't support you. There isn't a European Federalist Party. There are liberals, and you are a European Federalist, but Bolkestein, your Dutch colleague in the liberal faction, he says that for us, that he's a lunatic. We do a proposal. There will never be a European Federation. I do a proposal. We do a proposal on this. Which not is? In the manifesto.
That's true. No. It's in the interview with Jacques Attremer. I do a proposal in saying I want an alliance for Europe, an alliance of all those who are pro-Europeans, because that is what we need now on the political level. Il n'est pas d'accord, Danny. That's what we need on the political level. And I try you, to work on this. Succeeding? I can tell you that's a huge work. We started with it. But that's my dream. My dream is that next to the what you have, classical parties and certainly the PPE. Martin Luther Verhofstadt. I have a dream. Come on, man. But, come on, yeah, come but on. Religion, let's go. Religion is not my cup of tea. Yes, I tell you. It's more politics, more politics. Martin Luther King is more than religion. Yeah. Yes. You have a dream. But come this dream is possible. Why it's not possible? I was in a few days ago in France. There was somebody coming to me. Ah, I have created the European Federalist Party. I say very well. Come with me, or we shall talk a little bit. I invite you to Brussels. Today I received an email of somebody. I have started a new political party. The Stand Up United States of Europe. Well, a good title. Well, what I'm saying is that it is time now that next to the PPE and next to the socialists, what we need is a real political pro-European force. We have enough Eurosceptics, I can tell you, in the parliament, with Mr. Farage, you know him. I know, now you know him. Now you know him. As the most outspoken Eurosceptics. We have enough Eurotimids. C'est plein de ça. Des pro-européens qui disent « Oui, l'Europe, c'est pas mal, ça nous a donné quand même la paix, mais pour le reste, oh, pas trop, parce que les gens vont être... » On a suffisamment de ces gens pour le moment. Ce qu'il faut maintenant, c'est une classe politique pro-européenne qui prend la thèse fédéraliste comme le début et la fin de la lutte politique qu'on doit faire pour 2014. C'est de ça qu'on a besoin. On a assez de ça. Il a un problème. J'ai qu'un problème. J'essaye de convaincre Danny Cohn-Bendit de ça. Voilà mon problème. OK. À part ça, que moi, je ne serai pas candidat, mais ce n'est pas ça le problème. On ne va pas. Ce n'est pas ça le problème. Je crois que, d'un côté, Guy met le doigt sur quelque chose de tout à fait juste, et je serai le dernier à le nier. Seulement, je crois que... Enfin, moi, j'aurais préféré qu'on puisse poser le problème autrement. Aujourd'hui, vous votez aux élections européennes par parti. Hein, par parti, c'est-à-dire vous avez des listes nationales, etc. Nous avons perdu au Parlement européen sur les listes transnationales, etc. Bon, on n'a pas osé, mais... On n'a pas osé, bon, bref. Pas osé. L'idée qu'on avait défendue et qui aurait été le dépassement de tout ça et qui aurait créé cet espace d'abord de débat européen était de dire et de demander aux États membres de changer une chose dans leur loi électorale. De dire, vous avez les listes comme aujourd'hui, au niveau national, et chaque citoyen européen qui va voter, qui peut voter, en droit de voter, a une deuxième voix. Avec cette deuxième voix, il peut voter pour le président de la Commission, dont les libéraux européens proposent Verhofstadt, les conservateurs Tusk, etc., et etc., etc., les familles politiques proposent des personnalités. Et donc, vous avez une double campagne. Vous avez la campagne au niveau des débats nationaux sur l'Europe, et vous avez De Morgan, la télévision belge française, qui est obligée d'organiser, des débats entre les personnalités pour la Commission. C'est-à-dire que, eux... ils devront mener un débat sur leur vision de l'Europe. Et je crois que ça créerait un espace public européen où, justement, parce qu'on devra proposer quelque chose pour l'avenir de l'Europe, c'est exactement ce que demande Guy, il y aura une poussée vers les solutions plus ou moins fédérales. Alors, vous avez les timides fédéralistes, les enthousiastes fédéralistes, les écologistes fédéralistes, mais au moins... Il y en a.
Oui, si on arrive à supprimer une certaine caste d'Europe écologie, il y en a. Mais bon, ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Je veux dire par là qu'il faut créer, dans cette élection de 2014, vraiment un débat sur l'Europe. Et ce débat sur l'Europe, on ne peut pas le mener au niveau de liste nationale, parce que c'est toujours un débat franco-français, belgo, belge, allemand, germano-allemand, etc. Et voilà, le vrai problème, il est là. Comment débloquer la situation pour que les citoyens se confrontent à cette nécessité maintenant de définir l'avenir de l'Europe pour les 5 prochaines années? C'est-à-dire, comment l'économie européenne, on va pouvoir la relancer? Qu'est-ce qu'est un plan de redéploiement de l'économie européenne? Qu'est-ce qu'une culture européenne? Voilà, toutes les questions, comme on ne les pose pas, eh bien, l'idéal européen se perd dans ce cas, comme le dit Guy, dans les timidités généralisées. Jean, je voulais te demander... Oui, juste avant, oui. Je voudrais quand même... Imaginons, dans ton référendum, parce qu'il y a un tweetos qui vient de me faire la remarque, imaginons que la France ou l'Allemagne votent non. Ce n'est pas imaginable une Europe sans la France ou l'Allemagne, voire sans les deux. Tu as raison. Mais moi, je parie, franchement, le traité constitutionnel a été battu en brèche en France par la folie du Conseil européen qui a obligé de rajouter aux 100 pages que tout le monde signait, y compris Fabius, tout ce corpus de directives qui ne voulait constitutionnellement rien dire. Et qu'on s'est donné vraiment les fouets pour se faire battre. Donc, c'est pour ça que je reviens à l'idée et reprends le texte de la Convention avant Thessalonique. Et reprends ce texte et tu verras que la plupart des gens te diront « ça, je suis d'accord ». Même Mélenchon, il dirait « ça, je suis d'accord ». Tu te rends compte ? Hein ? Ouais, donc, Mélenchon est devenu écologiste, alors moi ouais, maintenant... Alors tu vois, tout est possible maintenant, d'accord. Maintenant, je voudrais poser une question. Par là, je veux dire par là qu'il y a vraiment, je crois que... le problème de l'Europe, et ça, il est réel, c'est qu'on n'arrive plus à dissocier les politiques imposées par des majorités politiques, l'ultra-capitalisme, comme le décrit d'une manière un peu plus neutre Guy, hein, et la structure qui nous permettrait de faire une autre politique. Quand on dénonce le libéralisme en France, personne n'aurait l'idée de dire on va supprimer la France. On veut faire une autre politique en France. Eh bien, moi, je dis, c'est vrai que les politiques menées en Europe, je ne suis pas d'accord, mais ça veut dire qu'on doit avoir d'autres majorités qui puisse faire une autre politique dans un espace beaucoup plus capable qui s'appelle l'Europe. C'est quand même simple. Tout non ? Oui. Alors, je voulais me retourner vers Jean avant que nous clôturions la soirée. Je voudrais lui demander... Bon, attends, je tweet en même temps, c'est on pas a assisté une... Tu fais ça tout le temps. On a assisté à une soirée où on a l'impression qu'il y a des possibles, il y a une proposition concrète, il y a des choses... des perspectives, il y a des dates... Il y a une nouvelle structure, un nouveau projet politique. Il y a l'idée qu'on puisse travailler en mélangeant les forces politiques à travers l'Europe. Il y a une élection qui se profile. Est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'ils sont là en train de nous vendre du rêve? Toi, quand tu les vois et quand tu entends les choses, tu nous as dit tout à l'heure, bon, il y a quand même un saut fédéral qui est possible, mais à ce point-là... Vous voulez qu'on parle des rêves? Oui, parce que... Attendez, moi, j'adore, on est sur un divan, là, on va s'amuser. Là, non, mais l'Europe, elle est faite par... la politique est faite par des gens qui rêvent. Je veux dire que toutes les grandes avancées politiques, je veux dire, on peut même dire la Révolution française au point de départ, c'était des rêves, des gens qui rêvaient. Quand on a fait la France, quand on a fait l'Allemagne, quand on a fait la Belgique, c'était des rêves. Au départ, on dit mais c'est pas possible. La France, après, au moment de la guerre de 100 ans, c'était un rêve lointain, impossible. Je te demande à quel point ce rêve-là n'est plus tout à fait un rêve. Mais je pense que ça n'est pas un rêve parce que les États sont en train de prendre douloureusement conscience que seuls ils sont perdus.
Et on y vient parce qu'ils n'ont pas le choix. Je trouve terrible, et moi c'est ça que vraiment les 3 ans de crise qu'on vient de traverser en tant que journaliste, et je suis ça quotidiennement, et je peux vous dire que la saison 4 de la crise de la zone euro, je trouve que c'est la saison de trop, donc je vois bien que ça se termine. Je dois dire que je trouve douloureux de voir que nos dirigeants ne comprennent qu'un seul langage, celui de la violence. Et on est en train de vivre une violence sociale sans précédent en Europe, et il faut qu'ils en soient là pour qu'ils comprennent. Donc non, je pense qu'ils ne rêvent pas, qu'ils montrent une voie de sortie, que les États vont, une voie de sortie ou une voie d'entrée, on peut le voir comme ça, que les États vont emprunter, hélas, forcés par les marchés. Et d'ailleurs, c'est ce qui est assez extraordinaire dans la crise que nous vivons, c'est, et là, c'est peut-être aussi une réflexion qu'on devrait mener, c'est que les marchés ont été, dans cette affaire, les meilleurs alliés des fédéralistes. Guy. Jean. Jean. Non, alors là... Mais moi, je pense plutôt que c'est de la naïveté, donc, parce qu'on reçoit cette question chaque fois qu'on fait un débat, chaque fois qu'on reçoit des lettres, chaque fois qu'il y a des journalistes à qui on donne des interviews, à la radio, à la télé, chaque fois la même chose. Est-ce que ce n'est pas irréaliste? Est-ce que ce n'est pas de l'utopie? Je dirais, c'est le contraire. C'est de la naïveté de penser qu'on peut sortir de la crise avec les politiques qu'on suit pour le moment. Et c'est, c'est du réalisme de dire maintenant aux gens que c'est la solution fédérale qui est la seule solution pour faire nous sortir de la crise. C'est ce qu'on appelle une utopie plausible. Et je vous dis une chose, je vous dis une chose, parce qu'il dit c'est les marchés, l'immigration. Tous les gens de gauche défendent les immigrés, mais l'immigration, quand elle a commencé dans les années 50, c'est pas la gauche au grand cœur, c'est pas l'Église au grand cœur, c'est le capital qui a dit tout d'un coup nous n'avons pas assez de force de travail et qui a changé la structure de nos populations. Malheureusement, nous n'avons pas été capables d'avoir une politique intelligente de l'intégration et de l'immigration. Mais c'est le fait que des fois, et ça on en vient, je ne sais pas comment il s'appelle, le barbu, là, Karl comment, là, l'autre, qui dit c'est vrai, les contradictions du capitalisme impose des fois des changements. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas vraiment un ultra-capitaliste comme Tony Negri explique toujours dans votre journal, oui, ce matin, ça, oui, tout à fait, voilà, ouais, j'ai de bonnes lectures de temps en temps. Oui, et bien Tony explique bien que l'Europe est un stade nécessaire pour surmonter justement l'ultra-capitalisme. Qui n'est pas suspect de... Et qui n'est pas suspect d'être... Donc, vous avez raison qu'on rêve. Et j'en ai marre des politiques qui ne dorment même pas parce qu'ils ont peur de rêver. Ouais. C'est ça leur problème. Ouais. C'est ça leur problème. On va terminer sur l'utopie plausible. Je pense que ça va vous aider à mieux dormir, vous, ce soir. On voulait vous remercier. Remercier M. Cohn-Bendit, remercier M. Verhofstadt, remercier Jean Quatremer. C'est vous qui avez tout fait, hein. Merci. J'ai dû voir le tweet de la soirée. And a warm thanks to you all for your concentration, your attendance. The two authors will be signing their book in a little room next door. A big room. So if you would like a signed copy of Voorwaarts Europa, Voor Europa, they'll be available. So many thanks for your attendance, and all I can do is wish you a night that is as much passionate as the witnesses you've heard here tonight. Le dernier mot, Monsieur Davignon. Qui va nous parler du plan acier. Oui. Oh. On aurait pu continuer encore longtemps, mais je dois faire les poussières. Parce que demain, nous avons un autre spectacle, pas aussi bon, mais quand même un autre spectacle. Alors, je voudrais être votre interprète pour dire que ce soir, on s'est d'abord bien amusé. Et c'est quand même bien que la politique amuse et ne déprime pas. Et ensuite,
Ensuite, il y a une perspective qui s'ouvre devant nous. L'Europe, au départ, c'était une volonté de prendre notre destin en main et de refuser la fatalité. Tout ce que nous avons entendu ce soir est la confirmation de cela. Je suis heureux de l'avoir entendu. Et maintenant, deux choses. Vous avez entendu ce qui a été dit. Allez et répandez la bonne nouvelle. Et ensuite, les auteurs nous font l'amitié de signer leur livre. Prenez-le, comme ça vous citerez le texte correctement. Et bonne soirée. Thank you.